choisi Shabada cet après-midi. Ils sont là pour jouer en live avec nos invités. Ce sont les musiciens de Shabada. Fabrice Rago à la guitare, Zizou à la basse, Aurélien Noël à l'accordéon et au clavier, Franck Delassu au piano et Yannick Hunier à la direction musicale et à la batterie. Sans oublier celui qui sait tout, tout, tout sur la chanson française, c'est Jacques Plessis. Grand Shabada cet après-midi. Il y a du lourd aujourd'hui sur ce plateau. Lara Fabian, bonjour Lara. Bonjour Daniela. Roberto Alagna, bonjour, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Amaury Vassili. Bonjour. Tu dois être aux anges, entouré de grandes voix, que des grandes voix, et Josh Coban qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. Alors Roberto, tu m'as dit tout à l'heure, il faut qu'on chante un maximum, quoi. On ne va pas forcément parler beaucoup, mais oui, on veut chanter. Je m'en souviens plus. Et je crois que tu es très heureux d'être avec Lara. Ah bah oui, Lara, je l'adore depuis toujours. Enfin, depuis qu'elle est toute petite. Ce n'est pas la première fois qu'on a l'occasion et la chance de chanter ensemble. Lara, justement, tu as déjà chanté avec Roberto, tu as déjà chanté avec Amaury aussi, et avec Josh Groban qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. Tu peux me donner juste un adjectif ou un qualificatif pour chacun d'eux? Alors, Amaury, extraordinaire. Roberto, le magnifique. Et alors, Josh, comme il n'est pas là. Et Josh, je dirais stunning en anglais, tout simplement. Stunning. Ouais. Voilà. Lara, Roberto, je propose de commencer tout de suite avec une très belle chanson que Roberto chante sur scène en ce moment. C'est Avec le temps de Léo Ferré, parce que tu rends hommage, on en reparlera sur scène. Ça, c'est la plus belle chanson du monde. Tous les artistes italiens qui ont chanté dans le monde entier, dont Léo Ferré, qui en faisait partie, puisqu'il était d'origine italienne. Les Italo. Comme Lara aussi, c'est vrai, par hasard, comme moi. Ben oui. Merci de me rendre hommage, Roberto, sur scène. C'est trop gentil. Et donc, Avec le temps, vous allez nous la chanter ensemble, tous les deux. D'accord. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre en qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. À tous les deux. Merci Robert. Merci à toi.
Je te sens très émue, Roberto. Bah oui, parce que moi j'aime beaucoup Lara. Ouais. On parle en sicilien quand on est ensemble. Oui, je vous ai entendu parler en sicilien. Ça fait vraiment plaisir. Vous faites ciao, bed. Bed, c'est nous, ça veut dire belle en fait. Ouais. Mais un triple D que seuls les Siciliens, donc lui, ça veut dire. Mais ça fait vraiment plaisir parce que aujourd'hui, je rends hommage à ces Italo-Américains, Italo-Italiens, Italo-Belges, Italo-Vietnamiens, Italo-Français. Ouais. Et Lara en fait partie. Elle est aussi Italo-Canadienne. Tu ne chantes pas de Lara Fabian sur scène. Mais j'aurais pu. Je t'aime, moi j'aimerais bien je t'aime par rapport à Roberto Elenia. Bah écoute, je t'invite et puis on le fera ensemble. Voilà, avec plaisir. Tu sais que la porte est toujours ouverte. Merci, je l'avais invitée aussi pour Sicilien, mais elle est très occupée aussi. Si tu veux venir, on le fera ensemble. C'est avec, un petit peu avec Lara plaisir. And Friends hein, cet après-midi aujourd'hui, c'est... puisque tu es entourée de grandes voix. Toi, est-ce que tu as été intéressée par le lyrique? Oui. Beaucoup. J'ai essayé, tu sais, c'est vraiment un autre apprentissage. Donc j'ai travaillé énormément la voix, je continue, sur base d'une technique lyrique. Mais c'est vraiment un sacerdoce. Et puis surtout, tu ne peux pas déroger. Donc quand tu as envie de faire quelques petites libertés musicales, tu te fais remettre... Voilà, et alors, il t'arrive, toi, quand tu t'entraînes ou quand tu travailles, de chanter chansons en quoi, soprano? Des arias, oui, tout à fait. Je travaille sur la technique lyrique, donc des vocalises complètement classiques, et des arias. Et de l'opéra. Qu'est-ce que tu chantes, par exemple? J'ai chanté Verdi, beaucoup. Ah oui? Ouais, La Traviata, beaucoup. Et puis voilà, et puis des petites choses un peu plus légères, parce qu'il faut une solide voix. Ah, mais moi, il y avait une chanson de Lara qui m'avait totalement bluffé. C'était sur un live, je crois. C'était l'Adagio d'Albinoni. Bah oui. Ah oui, qui était en fait un texte. Magnifique. Moi, je l'écoutais même pour m'endormir le soir. C'est un truc de fou. Mais je mettais ma chaîne et je mettais cette chanson qui est... C'était un texte que tu avais écrit avec Rick Alliston, d'ailleurs. Tout à fait. C'était en hommage à Albinoni. Absolument. Ouais. C'était une façon de parler de l'amour au sens éternel. Ouais. Alors, ne t'endors pas. Je propose à Lara d'en chanter un extrait. Avec Stéphane Tadjo, Lara Fabian. Sur elle. Ah mais oui, parce que je trouve que Lara est toujours plus belle, plus les années passent, plus elle est magnifique, et plus on est captivé par, je sais pas, c'est quelque chose qui passe comme ça, ça s'explique pas, et moi voilà, c'était depuis très longtemps, et voilà, je sais plus m'arrêter. Subjuguée par la beauté de Lara tout à l'heure. Ouais, c'est gentil, merci. Dit par un si joli garçon, c'est, ça fait plaisir. Quel âge tu avais en 2000? Oh, alors, 12 ans en arrière, j'étais pas vieux. Bah, que je sais pas, 10 ans, 11 ans, donc tu étais un petit garçon qui écoutait la radio, la musique. Exactement. Et est-ce que tu écoutais Tu es mon autre? Je pense qu'on peut pas passer à côté. On peut pas passer à côté de cette chanson, elle est magnifique. Techniquement, elle est pas facile quand même aussi, surtout quand on n'est pas l'artiste original. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis très content de pouvoir. Quelle était l'histoire de cette chanson d'ailleurs, Tu es mon autre? Comment s'était fait ce duo avec Morane? Une envie que vous aviez eue toutes les deux? Ça faisait longtemps que je rêvais de chanter avec elle. Ma meilleure amie, Nathalie Slack-Mulders, me l'avait présentée, puisque c'était son amie à la base, les deux Belges en folie constamment. Et je l'ai rencontrée à l'âge de 18 ans. Et j'ai toujours nourri ce rêve jusqu'au jour où on a écrit cette chanson avec Rick. Et c'est une chanson que j'ai écrite pour Rick. Le texte, à la base, est un texte d'amour pour lui. Et puis,
moi, en écoutant la mélodie, je me disais, ça n'est pas une mélodie unique, c'est pas une mélodie en solo. C'est une mélodie qui ne peut ne prendre corps pour que le texte ait du sens qu'au travers de deux voix. Et j'ai demandé à Morane si elle était d'accord, et elle a dit oui. Voilà. Voilà. Et le reste, c'est l'histoire de la chanson. Est-ce que tu es d'accord ? Je t'ai pas posé la question d'ailleurs. Est-ce que faire un duo avec un homme, c'est un peu comme faire l'amour ? Mais il y a quand même quelque chose de ça. Je suis assez d'accord avec toi. Parce qu'il se passe, une part de nous doit se dévoiler, une part de nous doit se mettre à nu pour pouvoir partager quelque part. Donc, oui. Et puis, si l'amour c'est sacré, alors absolument, chanter à deux, c'est sacré. Donc, après avoir fait l'amour avec Roberto, Lara Fabian va faire. Oh mon Dieu. Viens d'un double ration. Je pourrais être sa mère. Allez, c'est parti. On vous regarde, hein, nous. On n'a rien d'autre à faire. Que ton album cartonne toujours autant. Il s'appelle On n'a pas t'aimé et il est déjà disque de platine. On entend en boucle à la radio en ce moment le second extrait de l'album qui s'appelle Tous ensemble pour demain, et que tu reviendras nous chanter dans Shabada pour la fête des mères, pour une émission spéciale que nous consacrerons à la fête des mères. Roberto, ton spectacle s'appelle Little Italy, Roberto Alagna and Big Band, et c'est oui. vrai que tu rends hommage à tous ces gens d'origine italienne, et c'est étonnant parce que Nino Ferrer, ouais. Yves Montand, Serge Reggiani, Frank Sinatra, Cochante, Dean Martin, Adamo, Frédéric François. Tous d'origine ouais, italienne. Tous, oui. Et puis ensuite Dean Martin, Louis Prima, ouais. Frank Sinatra, Mario Lanza. Enfin, donc ça fait un répertoire qui est extrêmement varié. Et tu passes d'une chanson de Reggiani à une chanson de Frank oui, Sinatra, par exemple. Et on s'aperçoit que ces gens-là ont marqué quand même la musique de leur pays, quoi, de leur pays d'adoption. Comme Ferré, comme toute la grande chanson française, c'est aussi cette école italienne. Alors à propos d'adoption, je te propose un fils, un nouveau oui, fils, à Maurice. J'ai trouvé un fils. C'est mon fils caché. Puisque... Vous ne le saviez pas. Sur scène, tu chantes cette très belle chanson de Serge Reggiani qui s'appelle ouais, Ma fille. Ma fille, oui. Et avec Amaury, ça va devenir mon voilà, fils. Voilà, que hein. je chante pour ma fille, puisque ouais. ma fille a 21 ans et Amaury, il n'a pas beaucoup plus. Voilà. Donc on a, voilà. Voilà, on a changé un peu les paroles et c'est devenu mon fils. Qu'il est beau ton fils. Mon fils, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter. Pour changer de saison, pour changer de maison, pour changer d'habitude. J'y pense chaque soir en guettant du regard ton enfant, ce qui joue à rompre les amarres.
et me laisse le goût d'un accord de guitare. Tu as tant voyagé, moi, de mon côté, j'étais souvent parti. Des Indes à l'Angleterre, on a couru la terre, mais pas toujours ensemble. Mais à chaque retour, nos mains se rejoignaient sur le dos de velours d'un chien qui nous aimait. C'était notre façon d'être bon compagnon. Mon enfant, mon petit, bonne route, bonne route. Je prends le train pour la vie et mon cœur va changer. À tous les deux. Merci beaucoup, Roberto, d'être passé sur le plateau de Chavada. Je rappelle que vous êtes actuellement en tournée dans toute la France avec Little Italy, Roberto Alagna and Big Band. C'est une émission autour des grandes voix, des plus beaux duos. Et bien, voici quelques-uns des plus beaux duos qui ont été interprétés dans Chavada. Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Le monde n'est pas prêt pour tes paroles tendres. Le monde n'est pas prêt pour nous. On dirait tout simplement que nous sommes fous. Insieme io resterò. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois le coup. De pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. J'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t'en vas. Je suis malade, complètement malade. Comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pleures, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans. Et maintenant, que vais-je faire?
de tout ce temps, que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent, maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui boit, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort? Oui, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Quelques-uns des plus beaux duos qui ont été interprétés dans Shabada. Moi, je vous propose d'ajouter encore vos voix à ces belles images. Amaury, Lara, si vous voulez chanter Requiem pour un fou, c'était Johnny Hallyday, mais avec tu lui. L'avais chanté avec Johnny. Au c'était, stade. Ouais, c'était sublime. Tu te sens d'attaque pour Requiem pour totalement, un fou? Totalement, totalement. Je suis fou maintenant. Je vous préviens, n'approchez pas. Que vous soyez flic ou badaud, je tue celui qui fait un pas. Je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous vos projecteurs et baissez vos fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. Dites au curé, diable est passé de bonheur et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit à l'aube, je vous donnerai ma vie. Car que serait ma vie sans lui? Je n'ai ciel, c'est terre, si sur sa bouche, ma vie, c'était son corps, son cœur. Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tué pour car.
Lara, Fabien et Amaury pour la Sylvie. Et ben voilà, une nouvelle carrière de rocker s'ouvre à toi. Ah mais c'est ça, je découvre quelques petites cassures dans ma voix, c'est magnifique. C'est nouveau. C'est le petit mais qui mais fait ce qui est magistral, c'est qu'il garde Amaury, c'est-à-dire il arrive à nous le faire avec sa force à lui et son velours, c'est magnifique. Bravo. Merci. Alors Lara, tu sais, sur les réseaux sociaux, parce que j'ai vu que tu tweetais pas mal. J'ai mis une photo, j'ai mis les girls, toi et moi. Ah, c'est bien. Alors, ils sont nombreux à avoir déposé des questions pour toi sur mon compte Twitter. Ah bon ? Si vous savez qu'on allait se voir, donc @Daniela Lombroso. Et en voici quelques-unes. Alors, j'ai Andrea Loison qui demande, est-ce que certains cadeaux de fans vous touchent ? Et si oui, lesquels, par exemple ? Ah, énormément. J'ai eu, alors, la seule fois où j'ai fait une photo avec ma fille, j'en ai jamais fait. Et bon, on allait voir Blanche-Neige et c'est la seule fois où ma petite fille a été un petit peu exposée. J'ai eu... des dizaines de cadeaux avec le visage de loup. Et ça m'a vraiment ému. Des petits cadeaux, des petits pendentifs, ou parfois des lettres, tout simplement. Une simple lettre pleine d'amour, c'est très touchant. C'est très touchant. Sam qui écrit, Lara, on attend ton retour avec impatience. Et toi, qu'attends-tu ? Je pars du principe qu'on donne avant d'attendre. Et puis après, la vie fait circuler les choses. Mais c'est sûr que j'attends de les revoir, ça, c'est certain. Tu les reverras bientôt sur scène ? Oui. La première chanson que tu as dévoilée de ton album Le Secret, qui sort donc demain, s'appelle Deux îles, deux ailes. Et c'est une chanson que tu as chantée d'ailleurs pour la première fois en public dans une soirée en faveur du mariage pour tous. Oui. Donc tu t'es vraiment positionnée dans ce débat. Ça fait très longtemps que je me positionne dans ce débat. En 1997, j'ai chanté et écrit une chanson qui s'appelle La Différence, où je parlais déjà de tolérance. Et en fait, le débat pour moi est beaucoup plus vaste. Je crois qu'on parle de tolérance, de droit à être et à aimer, tout simplement. Merci Lara, tu vas nous chanter cette chanson dans un instant, mais d'abord je voudrais qu'on accueille quelqu'un qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui pour ce Shabbat exceptionnel. C'est le chanteur américain Josh Groban, avec qui Lara a déjà chanté en duo. Josh Groban qui a chanté avec les plus grandes stars de la planète, avec Barbara Streisand, avec Céline Dion, avec Beyoncé et avec Lara Fabian. One of the great voices the world has ever known. Une des plus grandes voix que j'ai entendues à travers la planète. C'est une des personnes avec qui j'ai pu travailler, chanter. J'avais, je pense, 20 ans, 21 ans. Et ça, c'est vraiment une leçon de maître que j'ai eue en écoutant et en travaillant avec une voix d'une telle qualité. Et en plus, maintenant, on a la chance de retravailler ensemble. C'est très agréable. Josh, vous avez même repris sur un de vos albums une chanson de Lara. Et aussi. In common, in a way. Like, Broken Vow, c'est une chanson qu'on partage quelque part. Laura co-wrote this beautiful song. Lara a été co-auteur sur une chanson magnifique que j'ai écoutée. Je l'ai entendue chanter et j'ai pensé, comme chanteur, j'aimerais bien avoir cette mélodie pour moi. Qu'est-ce que c'est super! Et puis c'est une chanson qui est triste, mais on adore des chansons tristes, Lara et moi, en fait. What else can I write, man? Qu'est-ce que je peux écrire encore? On adore, nous aussi, les chansons tristes. Vous voulez nous en chanter un petit extrait, tous les deux, comme ça? Yeah, sure, we can try a little bit. Tell me his name, I want to know. The way she looks and where you go. I need to see his face, I need to understand why you and I came to an end. Tell me again, I want to hear. Who broke my faith in all these years? Who lays with you at night while I'm here all alone? Remembering well you were my own. I let you go.
C'est la première fois qu'on la chante ensemble, c'est en fait. C'est vrai. Sur le plateau de Shabbat. Ouais, chacun l'avait chanté de son côté, oui, en fait. Absolument. Et bah, c'est très réussi ensemble. Hein. Vos voix se marient parfaitement bien. D'ailleurs, je pense qu'on va vous redemander des chansons ensemble tout à l'heure dans ce Shabbat. Mais d'abord, Lara, c'est le moment de rejoindre la scène pour nous interpréter ce premier extrait de l'album Le Secret. Donc la chanson, je le disais tout à l'heure, s'appelle Deux îles, deux ailes. Lara Fabian. Ces nuits claires, on s'abandonne comme un grand tonnerre. On meurt dès qu'il résonne, comme une source claire s'ouvre à la mer et puis fusionne comme un bout de chair. A fait de nous des hommes lorsque deux se touche, tous nos sens se souviennent qu'un baiser fait de deux êtres, deux amis presque éternels. Lorsque deux ailes se touchent, tout en nous se réveille à l'évidence que l'amour fait cette fois toute la vie. Comme inséparables sont racines et immenses arbres, quand vents et tempêtes emperrent ses flèches sans tête, caravane passe, aboie les chiens de guerre lasse, livrer les secrets et la haine se déplace. Lorsque deux îles se touchent, tous nos sens se souviennent qu'un baiser fait de deux êtres, deux amis presque éternels. Lorsque deux ailes se touchent, en nous se réveille à l'évidence que l'amour fait cette fois toute la différence. Lorsque touche, tout en nous se réveille à l'évidence que l'amour fait cette fois toute la différence. Âmes jumelles sont immortelles bien au-delà des loups. Flavien Compagnon au piano, Flavien au piano, Lara évidemment au chant, Flavien Compagnon qui était également avec nous lors d'une émission à Shabbat avec Lynn Renaud, auquel participait Josh Groban qui était là également ce jour-là. Et puis le titre donc Deux îles, deux ailes est extrait du nouvel album de Lara Fabian Le Secret qui sortira demain dans les bacs et vous retrouverez aussi Lara sur scène. Josh, on dit souvent que pour un homme, chanter en duo avec une femme, c'est un petit peu comme faire l'amour avec elle. Est-ce que c'est vrai? Careful. I think attention. That, there's certainly a lot of physical oui, communication en fait, c'est très physique quand on chante ensemble, c'est clair. Maintenant que tu le dis comme ça, la prochaine fois que je chanterai nervous. Avec un homme, je vais être nerveux quand même. I hadn't thought of that before. J'y avais pas jamais pensé comme ça, en effet.
Voilà, si je fais comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, en fait, en effet, oui, ça peut être très, très joli. Ce que j'adore dans le duo, c'est que les gens ont des voix très différentes parfois, mais en même temps, dans l'espace du duo, quelque chose se passe où ces voix se retrouvent et ça donne un plaisir fou. Et peut-être même au lit, ça va être pareil, qui sait? Alors, c'est le moment hein, de prendre un plaisir fou justement avec Lara Fabian, si vous le voulez bien, pour chanter avec elle un extrait d'une chanson française. Alors je sais que les Américains en chanson française ne connaissent pas absolument tout le répertoire. Il y a une personnalité qui est Edith Piaf, que vous connaissez aux États-Unis. Oui. This is a song that I've loved. Oui, ça c'est une chanson que j'ai toujours adorée depuis que j'étais petit. J'ai enregistré cette chanson pour mon deuxième album en effet. La chanson L'hymne à l'amour. C'est l'hymne à l'amour. Et vous la chantez en français sur votre album? I was in the studio with David Foster. J'étais avec David Foster en studio, on écoutait plein de chansons pour de l'inspiration et il se trouve qu'il y a une chanson qui te pousse à faire autre chose et parfois tu écoutes une chanson et tu dis tiens, ça vraiment il faudrait faire un cover, il faudrait faire quelque chose avec cette chanson-là. L'hymne à l'amour, je vous propose de la chanter tous les deux ensemble, Lara et Josh. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins. Sans que mon corps frémira sous tes mains. Pour m'importe les problèmes. Mon amour, puisque tu m'aimes. J'adore chanter avec Josh. Oh. So nice to sing with you. Me too. I love it. J'adore. J'aurais besoin d'une cigarette après une chanson comme ça avec elle. Tu comprends? You're fantastic. Merci à tous les deux. C'est vrai qu'il manque juste la petite cigarette. Mais c'est interdit à la télévision, contrairement au reste. Je vais peut-être apprendre quelque chose à Josh et à Lara. C'est-à-dire que les deux premiers vers de la chanson ont été écrits par quelqu'un qui travaillait avec Piaf à l'époque et qui lui renvoyait la balle. C'était un débutant bien connu aux États-Unis aujourd'hui, qui est Charles Aznavour. Et quand elle a cherché un titre, Aznavour lui a dit « Ta chanson, c'est un hymne à l'amour ». Et c'est comme ça que le titre est né. On va continuer à évoquer Piaf, parce que c'est le moment maintenant de retrouver la saga Piaf. Chaque semaine, vous le savez, une chanson passée au lecteur MP6 de Jack P6. Et Nathalie Lhermitte, merci de l'accueillir. Nathalie Lhermitte. Bonjour à tous. Bonjour Nathalie. Alors, aujourd'hui, quelle chanson de Piaf? Mon Dieu, chanson très célèbre qui date de 1960, mais en fait, la passion, l'amour de Piaf pour Dieu remonte presque à sa naissance. Elle a toujours été persuadée que Dieu était avec elle. Dans les moments les plus difficiles, elle l'a appelé, les moments tragiques. Et elle s'en est toujours sortie, donc ça voulait dire que Dieu était avec elle. Et puis, elle prie aussi Sainte Thérèse régulièrement. Depuis qu'à l'âge de 3 ans, souffrant d'une sorte de cécité, elle a été guérie grâce aux prières de sa grand-mère à Sainte Thérèse de Lisieux. Et le 21 septembre 1948 à New York, elle prie Sainte Thérèse pour que Marcel Cerdan soit champion du monde, et il est champion du monde. Et ça va encore plus loin. Elle a dit un jour à des intimes, très sérieusement, « Je suis persuadée que Dieu m'a donné une autre mission sur Terre. Quand je ne chanterai plus, je serai là pour aider les autres. » Et en attendant, elle le chante, son Dieu. Mon Dieu,
Mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, deux jours, huit jours, laissez-le-moi encore un peu à moi. Laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Devant les intimes, Piaf parle aussi de la résurrection. Elle s'interroge beaucoup sur ce qu'on devient après la mort. Elle dit « c'est pas possible, il reste une trace sur terre de nous et pas seulement à travers les chansons ». Et elle plaint ceux qui ont souffert sur terre et qui ne trouvent que le bonheur que lorsqu'ils sont réduits en poussière. Et puis après la mort de Cerdan, elle s'est également intéressée aux tables tournantes parce qu'un soi-disant ami lui avait dit qu'elle pouvait correspondre ainsi avec Marcel Cerdan. Donc elle a acheté une très belle table, très chère, en acajou. Et naturellement, ça n'a pas marché. Ça a fait beaucoup de bruit, mais il ne s'est rien passé. En revanche, ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est la note du médium qu'elle a dû payer ensuite. Une note encore plus élevée que celle quand elle chante « Mon Dieu ». Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. 6 mois, 3 mois, 2 mois, laissez-le-moi seulement. De souffrir, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, même si j'ai tort, laissez-le-moi un peu, même si j'ai tort, laissez-le-moi. Qui incarne Édith Piaf d'ailleurs au théâtre dans un très beau spectacle avec Jacques Pessis et Aurélien Noël qui est ici aujourd'hui et qui joue de l'accordéon pour nous dans Shabada qui est également sur scène avec vous. Merci beaucoup Nathalie, on la retrouve la semaine prochaine. Nathalie Lhermitte pour la suite de la saga Piaf. Alors l'album de Josh s'appelle All That Echoes, il est auteur et compositeur quand même et interprète. Comment on pourrait définir ce nouvel album? We recorded this record right after I had been on tour. Fait l'enregistrement après. The experience on the live stage is that you can beaucoup take from de, the audience, you really can tour, j'avais fait sur la scène beaucoup dans différents pays, différents endroits, et on a beaucoup d'émotions sur la scène, donc on a eu beaucoup d'inspiration. On voulait garder cet esprit dans le studio que sur la scène live. Donc on l'a fait très rapidement, avec très peu de reprises, et donc on voulait avoir donc, cet aspect-là. Dans l'album, il y a aussi un duo avec la chanteuse italienne Laura Pausini, avec qui tu as chanté d'ailleurs. Yeah. Yeah, wonderful. Magnifique chanteuse. Magnifique. Vous chantez aussi en italien? Vous parlez italien? Not fluently, no. Non, pas vraiment, mais I speak my two languages fluently are English and gibberish. Je parle l'anglais et le non-sens. Ça je suis maître. But I love to sing in Italian. Mais j'adore chanter en italien. I think there's a musicality to some of the languages. Chaque langue a sa musicalité. Et quand on traduit les paroles, c'est pas toujours ça. Hein. Ça perd quelque chose. Donc j'étudie pour chanter mieux dans ces langues d'origine. Vous savez que quand Piaf chantait en anglais, son accent était tellement mauvais qu'on était persuadé qu'elle chantait en italien.
C'est vrai. Wow. Now I don't feel so bad. Je me sens mieux comme ça. Merci, c'est gentil. Josh, je vous propose d'aller sur la scène de Shabada pour chanter Brave, un premier extrait de cet album que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui. Josh Groban. Wake up, the sun cannot wait for long. Reach out before it fades away. You will find the warmth when you surrender. Smile into the fear and let it play. Carries on, and all that you thought was wrong is pure again. You can hide forever from the thunder. Look into the storm and feel the rain. Thank you very much. Brave est extrait de l'album All That Echoes de Josh Groban. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans Shabada. On se retrouve évidemment toute la semaine sur les réseaux sociaux pour vos questions et vos commentaires sur Shabada. Et puis dimanche prochain, nous ne serons pas là pour cause d'événements sportifs. Alors on se retrouve le 28 avril avec Rock Voisine, Christophe Willem, Adamo et Elisa Tovati. Peut-être Lara, hein, tu reviens quand tu veux. C'était un tel plaisir merci de te recevoir Daniela aujourd'hui. Quand tu veux. Merci à toi. Merci à tous et bonne fin de journée à vous.